Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire entre 100 et 300 euros par jour juste en utilisant Google Maps et ce d'une façon très facile. Je vous montre cela après l'intro. Avant de commencer la vidéo les amis, faites deux petites choses pour moi. Likez la vidéo immédiatement pour me soutenir et abonnez-vous à la chaîne immédiatement pour ne rater aucun contenu à venir. Également, lâchez un commentaire juste en dessous disant « Gagner de l'argent en ligne » afin de pouvoir gagner ma formation d'une valeur de 2000 euros, donc ma formation que je vais faire gagner à 3 personnes tirées au hasard parmi les personnes qui commentent. Donc, sans plus attendre, commençons. Donc les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner plusieurs centaines d'euros par jour juste en utilisant Google Maps. Donc c'est super simple et je vais vous montrer à l'écran maintenant, pas à pas, comment faire. C'est parti. Donc la première chose, c'est simplement aller sur Google, ouvrir un nouvel onglet et taper Google Maps. On tape Google Maps, on va sur Maps, maps.google.com et on va se retrouver ici sur Maps. Donc ici, je suis au Brésil, mais vous pouvez être n'importe où dans le monde et cette technique fonctionne. Donc ce qu'on va faire sur Maps, on peut aller sur Maps, on va taper par exemple, avant ça, sachez que avant de commencer le processus, il nous faut une niche. Une niche dans le business, ça va être en fait les professionnels que vous allez aider avec un service. Donc une niche, ça peut être la niche des chirurgiens esthétiques, la niche des dentistes, la niche des restaurants, des agences immobilières, etc. etc. Ça va être en tout cas une niche dans un business que vous allez pouvoir aider avec votre service. On parlera un peu plus après de quel service vous allez pouvoir proposer à votre niche justement. Donc avant ça, on choisit sa niche. Donc sa niche, ça va être par exemple la niche des chirurgiens esthétiques. Je vais taper simplement chirurgien esthétique suivi de une localisation. Par exemple, chirurgien esthétique Paris. Parfait. Donc là, ça me dit que ça montre en fait tous les chirurgiens esthétiques qui se situent à Paris. Donc là, on voit qu'à Paris, les chirurgiens esthétiques sont beaucoup concentrés sur cette partie-là de Paris. Donc il y a le 8e, le 16e, le 17e. Voilà, cette partie à Paris, c'est vrai. Donc ensuite, on va simplement sur la gauche, on voit les premières choses qui apparaissent, ce sont les annonces. Donc les annonces, ce sont les entreprises qui utilisent la publicité Google pour apparaître en haut de Google Maps. Donc là, on a appartbeauté.com, on a Europe Dentaire, Soins Dentaires en Hongrie et Turquie. Donc là, vous voyez une technique qu'ils utilisent, c'est par exemple quand une personne cherche un chirurgien esthétique sur Paris, eh bien, il y a d'autres chirurgiens esthétiques en Turquie et en Hongrie qui vont faire la promotion grâce à ce mot-clé. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, vous allez avoir un tas de leads en fait. Vous allez avoir un tas de leads et ce sont ces personnes que vous allez pouvoir aider. Comment on va les aider? Tout simplement, on va les aider avec le marketing, avec leur marketing digital. Je vous donne un exemple, par exemple, Dr Moll Bernard, chirurgien esthétique Paris. On va tout simplement cliquer sur sa fiche. On va regarder un peu sa fiche. Ok, Doctolib. On clique éventuellement sur son site internet. Et je me retrouve sur son site internet. Dr Moll. Donc, clairement, Dr Moll, il a un site internet qui est vraiment, je m'excuse, affreux. Donc en 2022, c'est vraiment une aberration d'avoir un site internet de ce genre. Donc vous allez pouvoir l'aider tout simplement en premièrement avec son site internet. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir le contacter. Là, vous avez plusieurs façons de pouvoir le contacter. Vous allez pouvoir le contacter par téléphone. Donc vous allez pouvoir appeler ce numéro et le contacter. Ça va être du cold call. Donc quand on appelle une personne directement, qu'on l'appelle et qu'on lui propose nos services de marketing digital, ça s'appelle le cold call. Donc vous pouvez l'appeler on peut l'appeler au téléphone. Ensuite, on peut voir sur son site internet, vous allez pouvoir cliquer ici sur mail. Si on clique sur mail, on va pouvoir voir qu'on peut lui envoyer également un mail. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, ça c'est une bonne chose. Donc vous avez deux moyens ici sur le site internet du Dr Moll, donc chirurgien esthétique à Paris. Vous avez déjà deux moyens de pouvoir le contacter, comme vous avez pu le voir avec moi.
sur mon écran, il a vraiment un site internet affreux, donc vous allez pouvoir déjà lui proposer une refonte de son site internet. À l'heure actuelle, des sites internet, c'est super simple à faire avec des plateformes comme WordPress ou Squarespace. Donc c'est super simple. Vous avez maintenant simplement à appeler cette personne et à la convaincre de bosser avec vous. Vous pouvez l'appeler, comme je l'ai dit, au téléphone ou lui envoyer un email. Vous pouvez également lui faire éventuellement un petit audit sur Loom ou alors un audit vraiment écrit rapidement où vous lui dites « Bonjour Dr Moll, j'ai pu voir que votre site internet n'était pas vraiment d'actualité par rapport à ce qui se fait en 2022. Laissez-moi vous montrer au cours d'un rendez-vous, d'une visio, d'un Google Meet, comment je vais pouvoir vous aider avec votre site internet et éventuellement comment je vais pouvoir également vous aider à faire de la publicité sur Google ou sur Facebook. » Donc ça, c'est une autre chose que vous allez pouvoir faire. Je suppose fortement que cette personne n'a pas de pixel Facebook installé sur son site web. Donc, vous allez pouvoir l'aider avec un pixel Facebook. Vous allez pouvoir l'aider éventuellement avec de la publicité sur Google. Là, vous voyez que cette personne a seulement 8 avis. Donc, quand un professionnel local sur Google Maps, que ce soit un chirurgien esthétique, un dentiste, un restaurateur, a très peu de commentaires, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment beaucoup de business et qu'il a besoin de votre aide. Donc là, si on voit ici, ok, certes, il a une bonne note, mais vraiment, il n'a pas vraiment de... là, si je trie par avis, il n'a pas vraiment de commentaires. Il a eu un avis il y a une semaine et l'autre avis, le plus récent, c'est il y a 6 mois. Donc, il a mis carrément 5 mois à avoir un deuxième avis, ce qui est vraiment pas normal en 2022. Donc là, vous avez vu en quelques minutes, vraiment, j'ai pu vraiment auditer un peu sa situation en digital, sa situation en marketing digital, ce qu'il faisait. Donc à l'heure actuelle, il ne fait quasiment rien. Donc ça va être un bonheur pour vous de l'appeler au téléphone et de lui dire « Bonjour, j'ai pu voir votre site internet, il peut être refait. » Donc vous allez pouvoir lui faire une refonte de son site internet, de la publicité sur Google ou Facebook Ads. Vous allez pouvoir lui proposer également un tunnel de vente si vous savez comment faire des tunnels de vente. Et voilà, tout ça ne vous coûtera rien du tout, vous coûtera 0€, vous a coûté juste de votre temps afin de pouvoir rechercher ce prospect, le contacter, le closer et ensuite faire des choses comme une refonte de site internet, etc. Ça vous coûte que votre temps littéralement. Donc voilà, ensuite vous voyez d'autres chirurgiens esthétiques. Là on a ce docteur ici qui a beaucoup plus de commentaires, il en a 266, une note de 5, donc je suppose que fortement que lui il fait des choses en termes de marketing digital et que son site internet doit ressembler à quelque chose. On va voir ça ensemble maintenant. Et comme vous pouvez le voir, son site internet est pas mal du tout. Son site internet est pas mal. Ici, il a même un chat sur son site internet. Il a un contact. Vraiment, son site internet est beau et bien fait. Donc, vous voyez la différence entre un business qui n'utilise pas le marketing digital, qui s'en fout complètement, et un business vraiment qui le marketing digital au sérieux. Donc maintenant, des exemples comme le Dr Moll, vous en avez des dizaines ici, vous allez pouvoir rechercher principalement les gens qui ont très peu de commentaires. Vous allez pouvoir aller les contacter, par exemple ici Dr Christian Hermich. Vous pouvez proposer pas mal de choses. Vous pouvez également aller sur leur page Instagram, leur page Facebook et auditer un peu de la même manière que j'ai fait ici à l'écran. Vous allez pouvoir auditer leur page Instagram, Facebook, voir un peu où ils en sont, s'ils font des choses, s'ils ont des posts récents, etc. Donc, il y a des choses super intéressantes à faire et je vous ai montré aujourd'hui, au cours de cette vidéo, comment réaliser plusieurs centaines d'euros par jour juste avec Google Maps. Et si vous voulez un moyen encore plus rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne, simplement et rapidement, il nous reste quelques places pour le workshop de cette semaine. Donc, cliquez immédiatement sur le lien juste en dessous qui va vous montrer une technique super simple pour pouvoir gagner de l'argent rapidement. On a notamment ce jeune de 16 ans qui est passé de 0 à 100 000 euros par mois en seulement 90 jours en suivant notre formation. Donc je vous dis à très bientôt.